Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo comporte trois parties dont en première position, nous allons vous parler de Davido et sa bien-aimée Chioma. En deuxième position, Tina Glamour et le crofer qui a reçu récemment son défunt fils. Et en troisième position, nous allons parler de Carmen Sama qui est suspectée d'être enceinte. Allez. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. L'amour de Davido pour Chioma ne cesse de s'accroître de jour en jour et cette fois-ci, on peut dire qu'il est vraiment fou amoureux car il va jusqu'à l'offrir des présents de luxe à plusieurs événements, chose qu'il n'avait jamais fait avec ses anciennes copines. De plus, Chioma est encore la seule copine de Davido qui a été présentée à sa famille et vice-versa. On peut dire qu'il est vraiment fou amoureux d'elle. Plus récemment encore, à la venue du monde de leur premier fils, Davido aurait passé toute la nuit auprès d'elle afin de l'accompagner dans tous les moments qu'elle pourrait traverser. Allez, y a-t-il des amoureux qui regardent cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Après le crofet de Didier Arafat au Zafima Awa 2019, sa mère dont Tina Glamour très contente s'exprime sur sa page Facebook en remerciant tous ceux qui ont rendu cette victoire possible, les encourager tout en les rappelant que tout n'est pas terminé et que la prochaine étape se jouera le 23 novembre prochain aux Afima du Nigeria pour l'obtention du disque d'or tant désiré par le défunt Didier Arafat. Bon geste pour maman Tina. Carmen Sama serait enceinte. La toile depuis un certain temps par rapport à Carmen ne fait qu'allusion à une éventuelle grossesse de la femme du feu d'Aichi, lui appartenant et ce qui serait caché au public. Bien sûr que beaucoup de personnes parmi vous vont me poser la question à savoir est-ce que c'est obligé que tout le monde le sache? Et oui, cela peut être privé, mais récemment, Mola s'est exprimé sur ce sujet sur une radio et un média malien serait allé jusqu'à affirmer que la rumeur était vraie. Mola demande donc cette information tout en faisant savoir qu'elle n'est pas enceinte et que si c'était le cas, lui il serait au courant. Selon lui encore, les gens l'auraient créé pour faire du buzz et il les demande de la laisser tranquille. Allez, avez-vous apprécié cette vidéo? Si oui, dites-le nous dans les commentaires. Partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bye bye!